Salut tout le monde. Salut à tous, j'espère que ça va bien. Oh, t'inquiète pas, Sam, y a pas de soucis pour ta réponse. Hop, on va pouvoir commencer à jouer pour ce soir, encore 1 heure de Outlast. Bon, ce soir ça va être pas du gâteau parce que j'ai plus beaucoup de piles. Et ça sent pas bon. Alors, on est dans donc un petit résumé. On est arrivé dans l'aile des femmes. Et il y a un mec qui passait avec un gros couteau. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette salle va nous réserver? Est-ce que déjà ça tremble? Maintenant, eh ben, il y a un fantôme qui se bat dans le coin, c'est sympa. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Une carte à jouer. La musique de merde. Ouais, donc voilà, ils sont remis à être asthmatiques. Ah, mais du monde, je suis pas tout seul. Sympa. Ça m'a pensé à France Pérusse, où à chaque fois qu'il y a un truc de grave, le mec se met à jouer du violoncelle. Surtout, il ne va pas vers la lumière. Alors, ça dit quoi? Ça tremble. Comme d'hab, hein, on va aller au sous-sol. Est-ce que c'est par là que je venais ou je sais plus? Ouais, je suis passé par là, il y avait le mec qui... Ouais, il y avait le mec qui joue à cache-cache là. Donc là, je suis allé. Ça fait 15 jours quoi. Voilà. L'ascenseur est bloqué, bien sûr. Ah, il est plus là, lui. Ok, je suis complètement mort. Je vole! Ok, rien. Ok, par là, il y a que dalle. Comme ça. Donc, attends, je viens de là. Avec ces piles là, je viens par là. J'espère que ça rampe pas trop ce soir. Quoi, je range les fils? Ah non, j'ai rien cassé moi. Putain, c'est la dèche niveau pile. Il y a des trucs pour se cacher. Ça, c'est déjà pas mal. Allez, changer les piles. Ah, si ça rame. Est-ce que t'es encore sur internet toi? Écoutez, malheureusement, je sais pas. Je pense que ma connexion en ce moment veut pas. Veut pas être trop sympa avec moi. Désolé. Alors, par contre, j'ai baissé un peu la qualité de l'image histoire que ça rame un petit peu moins. Putain. Hey.
il y a celle de la mort. J'aimerais bien savoir où il faut aller. Alors, on a dit. Ok. Et oui, je suis chiffré, ouais. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Encore une pile? Ouais, encore une pile. Je suis par là. Putain, faut aller où? C'est fermé. Il est même pas foutu de péter une vitre, ce mec. Putain, c'est pas possible. Ouais, devenez pas journaliste, hein. C'est les chiottes. Là c'est fermé. Bon. Par là. Non, c'est fermé aussi. Donc faut que j'enclenche l'ascenseur. Non. Là c'est fermé aussi. On va essayer de sortir. Alors, peut-être... Est-ce que j'ai loupé un truc en bas? J'en mettrai mon doigt à couper. Putain, la pile est déjà morte, sérieusement, les gars. Alors là, y a rien, y a un saut. Oh, putain, enfoiré. Ok. D'accord, fallait pas s'approcher. Eh ben quand ça s'est fait. Je me suis fait avoir. Alors. Pile d'ailleurs. J'en viens. Donc là, il y a encore une pile. Voilà. Ce qui est bien, c'est que je sais à peu près où faut aller. Alors. Non. Non. Ça y est, hein. Ah ouais, non, le mec il dit, ouais, il te poignarde direct, ça, il est pas très sympa quoi. Pas très poli ici. Hein. Voilà. Alors. Je crois qu'il y a un mec qui est. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est même pas foutu, ça va s'abuser, il est même pas foutu de monter sur, sur l'étagère. Et j'ai plus de piles déjà. Allez, parle-moi toi. Putain, qu'est-ce qu'il est bien. En gros, je suis un petit plus bloqué les copains là. Là, il veut pas y aller. Bon, on va essayer de pas trop s'approcher. Ah ouais.
passe sous terre. Là, je m'approche pas trop. Et je me cacherai pas sous le lit. Alors. Ok. Change les piles. Les pépiles. Alors. Bon, là, c'est bien. La gestion de la lumière est sympa, mais. J'aimerais bien avancer un petit peu, là, les gars. Sinon, on va passer une heure dans le hall, ça va pas être cool. Défonce la porte! Ah! Alors. Il est plus là. Est-ce que je vais louper quelque chose par là? J'ai rien loupé par là. Là, c'est d'où je viens. Je me cache là-dedans et j'attends que. Qu'ils viennent rechercher le linge. Non. Qu'est-ce que c'est? Un carton. Just a box. Putain! Salle de classe. C'est bien, on se croit dans sa lentille. On visite tous les casiers. Ah. Moi, j'ai entendu du bruit. Là, y'a personne, là. Non, c'est. Je suis tout seul. Putain, il faut passer par où? Des baignoires? Je suis caché! Oh padre, il est où le curé? Vous n'allez pas venir m'aider? Putain, je suis en train de bouffer toutes mes batteries sur cette connerie. Je suis coincé! Est-ce que l'un d'entre vous sait où il faut aller? On va essayer d'en passer par là, par là. Oula, c'est passé. Parce que c'est mes cédats d'où je viens normalement. Bon, est-ce que je vais trouver une autre issue de secours? Ils auraient pu me filer les clés. Hein. Ils auraient au moins pu me donner les clés. Ouais, non, là, c'est là, j'ai vu le padré. Bien sûr, il est plus là. Hein. Bouge pas. C'est bien. Par là. On va y voir. On va sauter, toi. T'es bien, j'en fais un peu plein de piles. Ça va pas servir à rien, quoi. Mais par contre, j'aimerais bien avancer un petit peu. On a dit que là, c'était fermé. Là aussi.
tout cas, je sais pas si vous avez pu regarder le live de jeudi dernier, mais Realdric a été juste magique, hein. Je crois que j'ai jamais vu quelqu'un jouer comme ça. Donc franchement, si vous avez l'occasion, jetez-y un oeil. Ok. Il y a un truc à faire, non? Faire le linge. Ça cul-de-sac. Là, que dalle. J'ai l'impression de faire une visite pour acheter l'appart, hein. Les chiottes. Les chiottes, c'est nous, les Schmitt. Alors. C'est encore fermé. Un truc, non? Faire bouger un truc, hein. J'aime bien ce que je me fais peur tout seul avec mes propres bruits de pas. Allez, je vais quand même pas rester bloqué, ouais. ça fait 20 quarts d'heure que je suis bloqué là. Donc j'aille à l'étage. C'est que ça. Oh, un gardien. Je l'ai pas vu. Un truc que j'ai pas vu, c'est pas possible. Non. Ah, c'est par là, c'est pas possible. Pourquoi je suis toujours en panne là en fait? Tu restes où t'es surtout, tu bouges pas. Là y'a quoi? Des conneries. J'ai devant tous les enfants, levez-vous les mains. Ah, putain, mais y'a que dalle. Y'a que dalle, je sais pas où il faut aller. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il faut faire? Allez, prends le courant, faire que François. Non? Ah ouais. Il se faufile partout, il les veut pas. Hein. Alors. Moi, dans Just Dance, tu sais où tu vas, quoi. Ça me. Oui, l'escalier c'est bien, ouais, c'est par là l'escalier, ouais. J'aimerais bien y aller aux escaliers. Il y a un peu qu'il a la clé dedans, non? Non. Je pense que. Il veut pas fermer les portes. Ah, il claque la porte lui, d'accord. Putain. Je veux la clé, je veux monter. Laissez-moi rentrer. Alors. Titi. Je tourne en rond depuis une heure. C'est juste ultra relou. Alors, est-ce que quelqu'un a une petite idée? Alors, va dans un coin et pleure. Ouais, ça pourrait le faire, ouais. Allez, aidez-moi, s'il vous plaît. Je suis coincé. Et là, il y a un passage secret dans le truc, non? Il veut
pas les pousser. En plus, ouais, je suis en train de bouffer les quelques batteries que j'ai réussi à choper. C'est chouette. Putain, il veut sauter nulle part en plus. I believe I can fly, non? Qu'est-ce qu'il dit? Bon, 20 ans, moins de 10 jours. Ah oui, je suis en rond, ouais, non, mais carrément. Ouais. Mais par contre, j'arrive pas à trouver d'issue, quoi. Là, c'est fermé. Dans la salle de classe, il n'y a pas de porte, c'est tout verrouillé. Là, c'est où on était. Je sais grimper n'importe où. Sherlock Holmes a dit, lorsque les solutions logiques sont épuisées, il ne reste plus que les solutions illogiques. Je me suis déjà fait poignarder par le trou. Bon. Je sais que t'es là. Viens me chercher. Alors. Non mais là je. J'aimerais limite qu'il y ait quelqu'un qui vienne, tu sais. Allez, pète cette fenêtre. Moi ce qu'il faut que je ressorte. C'est de revenir sur mes pas. Faut sauter à l'escalier de l'ascenseur. Ah. Allez, on va essayer de sauter à l'escalier de l'ascenseur. Assez... Tu penses que j'y arrive là? Ok. C'était trop court. Ah putain, d'accord, ouais, ça fait 20 minutes que je galère pour ça. Je suis trop deg. Comment perdre 20 minutes pour rien, quoi. Ok. Et si j'allais vers l'autre côté d'abord? C'est un peu un truc sympa. Ah, c'est fermé. Ouais, c'est fermé. Bon, je suis passé. Comment perds-tu pas combien de temps pour une connerie? Ok, allez, on avance. On avance. Soyons prudents. Soyons ultra prudents. Ouais, c'est bon. Ça pue du cul, ça. Ça pue du cul.
Il va bouger, il va bouger. Non, il va bouger. Ok, là il y a un hôtel. Après, faut révélation, ok, ouais. Ouais, tout à l'heure j'aimerais bien avoir une révélation. Non? Ouais, j'y vais. Qu'est-ce que je fais? Je vais chercher la pile ou... Tout doux. Tout doux. Tout doux. Tout doux. On reste là. Ouais, faut la paix. Putain, deux piles. Oh putain. Allez hop. Allez, cassez-vous! Putain, j'y vois rien! J'y vois rien! Hop là! Il est où? Je suis caché! Je crois que c'est la première fois que je suis content de passer sous le bureau. C'est barré. Alors. Là, j'en vais survivre pas. Ok. Alors. Voyons voir, voyons voir. Ok, là c'est plus. Non, j'ai cru entendre du bruit donc. Il va pas après se cacher. Bah oui, attendez. Je passais par là. Il y a un truc là, non? Ok, alors. Par là, ça doit être dégagé. Bien sûr, faut faire un méga détour hein, pour y aller. Alors. Sympa. Comme dirait l'autre, j'ai passé une soirée, j'ai filé en croix. Personne caché dans les coins. Ok, là y'a rien. Bon. Bon, bon, bon. Faut que je passe par où? Alors. Et encore une pile, hein? Ouais. Celui-là peut être ouvert. Putain! Barre-toi! Barre-toi! Casse-toi! Ah. Allez, cours! Allez. Tac. Il me suit pas. Il était là. Bon. Alors, bilan. J'ai des piles. J'ai des piles, j'ai des piles. Il faut que je rejoigne l'autre père fouettard. Là. Tac. Bon.
chance, c'était moins une là. Alors. Quand même réussi à changer de pile pendant une course poursuite, les gars. Alors, on va changer de pile, on va être sage. On va y aller tout doux. Putain, casse-toi. On va tracer, hein. Pas me voir, là. On va pas. C'est le Père Noël. Pas revenir. Alors, bon, j'ai trois pilules, hein, faut que je fasse quoi? Faut que je l'emmène dans la danette? Ouf, putain. Il aime bien lui, hein, passer à côté. Ouais, enfin j'ai... Il est où? Où qu'il est? Alors. Bon, c'est pas tout ça, mais bon. Là, y a rien. Là, y a rien. Réfléchissons une seconde. Alors. Là, qu'est-ce qui me saloperie? Une photo. Putain, il m'a vu. Merde. Allez. Bon. Bon allez, on va repasser par là. Tac. Et après, il me suit pas. De toute façon, il me suit pas. Bon, là il y a un gros trou. Là il y a un gros trou. J'ai les pilules. Est-ce que je peux monter? Je peux pas monter. Si? Ah putain, il faut une clé. Bordel, elle est où ce connasse? J'ai tapé la clé, elle est où ce con? Putain, y'en a un deuxième! Allez, y'a rien. Je lui dis rien. Ah, pile. Enfin, pas dans les...
fouiller l'autre là-bas. Attends qu'il repasse. Parce que tout le coup va arriver. Invite the World Rider, ok. J'ai pas beaucoup avancé là ce soir. Hein. C'est un peu naze, j'avais bien avancé la dernière fois. Et l'ancienne, il y en a fouillé. Il y a rien du tout aussi, putain. Ah, il y a une pile là. Tu m'as pas vu. Non, non. C'est pas moi, c'est une erreur. Tu m'as pas vu. Je suis pas là. Je suis pas là. Voilà. Ça. Bon. Alors. Réfléchissons. Où est la clé? Quelle est la clé? Tant qu'il repasse à mon avis. Hein. Écoute, Chan, en train de péter un câble. Alors, Reldric, ta mission, me dire où est la clé. S'il te plaît, aide-moi. Voyons voir. Bon, il va pas repasser ce con. Face. En gros comme une maison, il est là-dedans. Alors. Bon, il fait son tour lui, voilà. Voilà. Il s'est cassé. Alors lui, il n'y a rien à fouiller. Hein? Je peux me cacher sous le lit en effet. J'étais mauvaise langue. Là y'a rien. Non, t'es sérieux? À la laverie? Putain, mais je l'ai fait de fond en comble, la laverie, j'ai rien trouvé. Bon, on va retourner à la laverie, hein. Yahoo! Alors, la laverie, elle est par là. On va fouiller, hein. Carte à jouer. Alors. Et ouais.
Eh, j'ai voulu, hein. Rien. Mais que dalle. Vu foutu pourri. Alors, le bac de la laverie. Ah, je les ai vus là, j'ai regardé les bacs quand même tout à l'heure. Là-bas. Alors. Elle est que dalle. Que rien. Rien du tout. Les amis, ah, il y a sa tête dans la machine à laver, c'est dégueu. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, et non, j'ai pas encore crié aujourd'hui. Je deviens peut-être fort. Je veux cette putain de clé. Elle est où la clé? La clé. Putain. Alors. Je suis désolé, j'ai fait le tour de la laverie, y a pas de clé. Hein. Alors, ouais, connu des centres de linge. On peut pas en plus. On en arrête une et une dedans, c'est ça qui fait le bruit, moi. Mais... on part de la laverie là. Si je vais par là. Mais que dalle. Là y'a rien. Je veux la clé. Alors. Bon, au moins pour aller au point de sauvegarde, les gars, là, parce que... Carte à jouer, c'est bien marrant, mais... J'en ai un petit peu rien à foutre. Alors... Non, y'a rien là-dedans. Ah, ça va, c'est pas là, j'ai fait... Tous les recoins de ce couloir sans trouver de clé. C'est pas ici. Alors, jusqu'à découvrir la clé qui nous a... Ah, manque 3 fusibles. Mais j'ai pas vu ça, les 3 fusibles. Ah, peut-être avant. Les 3 fusibles, je les ai. Bon. Un panneau avec des fusibles, ça me dit quelque chose. Putain, je l'ai vu. Je l'ai vu ce putain de panneau de fusil, je l'ai vu là-bas.
Je l'ai vu ce satané panneau. Vers les chiottes peut-être. Ils sont en bas. C'est tous les trucs électriques là. Là, c'est pas par là. Je vais me faire tous les murs de l'étage, hein. Je trouverai ce saloperie de panneau. Où est-ce que j'ai vu ce panneau à fusible? Peut-être à l'étage? Et puis ils apparaissent au fur et à mesure. Quand je suis sur C, je chance Lewis et Clark. Il est là. Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Ah putain, je crois qu'il est là. Voilà. Putain, il m'a vu. Ah, ah, barre-toi. Aïe, putain, je... Il est là ce putain de panneau. Je l'ai. Bon, attends qu'il repasse. Attends qu'il repasse et puis c'est bon. Ouais, bon, ça, déjà, ça a été laborieux ce soir. Je voyais pas. Maintenant, s'il pouvait juste se casser. Allez, à faire ton tour. Alors. Qu'est-ce qu'il fait? Reldrick, fais pas ça. C'est sale. Bon, je vais pas venir, tant pis, je vais le faire tout seul. Oh putain! Enfoiré. Donc, et ça m'a allumé quoi du coup? Ah oui, la clé. Oh putain. Alors, la clé, la clé, la clé.
C'est quoi qui est bloqué? Ah c'est putain, c'est peut-être là. Non, je suis peut-être descendu pour rien en fait. Ok, je vais me descendre trop bas. Je joue comme une merde ce soir. Je sens que je joue comme Reldric. Ce soir, je suis en mode Reldric. Je comprends rien. Alors, voyons. Putain. Aïe. Bien sûr, il était là, quoi. Et la clé. Et il a pris la clé. Ah le con. Commencer dans l'or pour faire des économies de batterie. Eh bah putain. Eh mais elle est où cette connasse? Ah putain elle est descendue. Oh mes couilles. C'est laborieux ce soir. Hein. Du coup elle doit être là, c'est ça? Eh, prends cette petite clé. Hop là, hop. Cliffhanger. Eh ben décidément. Au con, j'ai fait que dalle ce soir. Hein. Et tout ça pour se retrouver bloqué. Non, ça va, je peux sauter. Suivez les traces de sang. Oui, bien sûr. Alors. Pile. Ça, c'est quoi, ça? Pas un photo numérique. Donc, au moins, ils sont sympas niveau pile. Ok, on continue aussi. On va peut-être vite fait ce qu'il y a par là. Et j'ai bien fait de regarder ce qu'il y a par là. Allez, on avance encore un petit peu pour les 5 dernières minutes. Je suis désolé ce soir, c'était pas terrible. Aïe, aïe, aïe. Il faut vraiment fouiller dans le moindre coin ici. Hein. Oh putain! Oh fantôme! Ah, j'aime pas ça. Les enfoirés, ils veulent me tuer. Hein? Ah ok, je peux remonter ça. Ah, c'était juste sans dire, il y a un fantôme. Alors, est-ce qu'il y aura un petit checkpoint là avant de finir? J'aime bien voir les murs des pièces en fait, ça m'aide à me repérer. Dossier. Oh.
promis, dans la semaine, je me fais les dossiers, histoire de vous faire un petit background la semaine prochaine pour raconter ce qui se passe, parce que mine de rien, ça peut être sympa de connaître l'histoire. Ok, je vais aller voir par là. Ah merde, c'est fermé. Alors... ouais, je change de pile. Il y a un petit checkpoint avant de finir là, les gars. Ce serait dommage. J'espère juste pas retomber sur le gros. Appareil photo cassé. Qu'est-ce qu'il y a comme appareil photo ici quand même? Ok, il faut se planquer sous le lit là. Je sens que ça pue duc. Ok. Non, je vais pas là. C'est dégueulasse. Alors, un bon vieux son bien dégueu. Ah, j'ai l'impression que je suis en rond, non? Ouais, ça m'en a tout l'air. Ouais, je tourne en rond. Alors, voyons voir qu'est-ce qui nous attend. J'imagine qu'il faut que j'aille par là. Non. Putain, le monsieur tout nu. J'ai cru voir une zigounette. Alors. Bon, je crois que malheureusement, c'est pas pour tout de suite, donc... ouais, merde. On va faire le tour. Et ils sont des deux côtés. Putain. Putain, ils sont là. Ah, aïe, aïe, aïe. Ok, ils m'ont eu. Ok, ça va. Bon, mais comme ça, c'est fait, hein. Je veux pas savoir ce qu'ils ont fait de mon corps après. Je vais me cacher sous un lit en attendant qu'il passe. Hop là. Je crois que c'est la meilleure chose à faire. Je pense qu'il faut que j'attende qu'il passe. Voilà. Ok, on va avancer. Tout doux. Tout doux, tout doux, tout doux. Ok, je suis passé. Je suis passé. Bon, bah finalement, allez voir, je vais voir si j'arrive à arriver jusqu'au prochain point de sauvegarde. Ok. Oh oui, bien sûr, oui, non, mais la caméra surtout. Ouais. Dommage. Oh putain. C'était qui en bas? Bon. Bah écoutez, point de sauvegarde, nickel, on est à l'heure. Et je suis fou. Faire la mise au point.
Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'aimerais bien faire le point, la mise au point. Allez. Hop, hop, voilà. Écoutez, voilà, encore une petite séance de d'Outlast. J'espère qu'on arrive bientôt à la fin, parce que mine de rien, ça commence à s'éterniser un petit peu. J'espère que ça vous a plu, même si on n'a pas beaucoup avancé. Et puis bon, par contre, c'est toujours sympa de retrouver ses copains tout nus qui nous attendent gentiment avec leur couteau, quoi. Alors, ouais, non, je pense qu'à un moment, le mec devrait se suicider parce que il manque deux doigts. C'est bien, au moins, pour la première fois, il peut faire ce tour de magie sans trop de difficulté. Donc, bah écoutez, on va s'arrêter là et puis on se voit dans la semaine pour un prochain live et puis sinon la semaine prochaine pour la suite d'Outlast. Allez, amusez-vous bien et puis passez une bonne soirée.